nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix de Jésus et sa joie. Saint Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. Avec Jésus ou contre lui. Un autre jour, Jésus chassait un démon, il s'agissait d'un muet. Le démon sortit, le muet se mit à parler et la foule resta émerveillée. Il y eut quand même des gens pour dire la chasse des démons avec l'aide de Belzéboul. Il chasse les démons avec l'aide de Belzéboul, le chef des démons. D'autres, pour l'embarrasser, lui demandaient un signe qui vienne vraiment du ciel. Mais Jésus savait ce qu'ils pensaient et leur dit « Tout royaume qui se divise court à la ruine. Les différents partis s'écroulent l'un après l'autre. Si vous dites que je m'appuie sur Belzéboul pour chasser les démons, Satan est divisé, donc son pouvoir ne durera pas. Et si c'est Belzéboul qui m'aide à faire sortir les démons, qui donc aide les gens de chez vous quand ils les font sortir ?» Ce sont eux qui jugeront vos paroles. Quand je fais sortir les démons, le doigt de Dieu est là. Comprenez donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand le fort bien armé garde sa demeure, ses biens sont en sûreté. Mais voici qu'un autre plus fort arrive et triomphe de lui. Il lui enlève les armes qui faisaient sa force et distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Merci Jésus pour ta parole. Le paragraphe continue jusqu'au verset 36. On va... Déjà, il y a beaucoup à dire sur ce moment insupportable. Certainement pour Jésus, mais Jésus, tu fais face à tes détracteurs avec patience. Mais bon, c'est quand même hallucinant. Jésus chasse un démon et j'allais dire un mot, mais je vais éviter de le dire. Voilà. Conteste cela alors qu'il nous est précisé, la foule resta émerveillée. Voilà. Et il nous est dit au verset 15, il y eut quand même des gens pour dire, voilà, il y eut quand même des gens pour dire, la joie est là, et on appelle ça des rabat-joie. Ils rabattent la joie. Alors toute cette discussion autour de cette suspicion qu'ils osent porter, alors qui, les grands prêtres, les pharisiens, les maîtres de la loi, ils osent remettre en question la puissance de Jésus, et ils vont, vous savez, dans ces conversations, ça peut nous arriver, et si ça nous arrive, ben, demandons à Jésus de nous en guérir, c'est que dès qu'il y a une joie, c'est le rabat-joie, on dit quelqu'un qui est rabat-joie, quand il y a une joie, toujours quelqu'un, enfin pas toujours, il y a souvent, des fois, quelqu'un, qui vient casser cette joie, alors que tout le monde est joyeux. Boum ! Et là, ils utilisent quelque chose qui est très grave, puisque Jésus dira qu'il y a là-dedans, dans cette déclaration de suspecter Jésus d'utiliser les forces des ténèbres pour chasser les forces des ténèbres, il y a là le blasphème de l'Esprit-Saint. Péché qui n'est pas pardonné, seul péché qui n'est pas pardonné. Donc là, les types, ils jouent gros, là. Ils jouent très très gros. Parce que ce péché-là n'est pas pardonné. Quand on suspecte l'Esprit-Saint de quelque chose de malveillant, eh bien, qu'on dit de l'Esprit-Saint qu'il peut faire quelque chose de malveillant, c'est le blasphème de l'Esprit-Saint, péché dont Jésus a dit qu'il n'était pas pardonné. Donc, Jésus essaie quand même pédagogiquement de leur expliquer que tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas durer. Mais ça ne suffit pas. Ils demandent un signe du ciel. Ils ont déjà eu un signe du ciel très fort, puisque
Ce muet s'est mis à parler, mais ils en veulent un. Bien sûr que Jésus ne leur en donnera pas, évidemment. Alors, méditons maintenant, donc on connaît cette rengaine des grands prêtres, des pharisiens, des maîtres de la loi, les mêmes qui vont demander aux Romains d'assassiner Jésus. Mais rapprochons-nous de cette phrase très importante, au verset 20. Quand je fais sortir des démons du doigt de Dieu, le doigt de Dieu est là. Je répète, quand je fais sortir les démons, le doigt de Dieu est là. Comprenez donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Eh bien, nous avons la phrase là, la plus répétée de l'évangile. Le royaume de Dieu s'est fait tout proche. Le royaume de Dieu s'est fait proche. C'est la phrase la plus répétée du Saint-Évangile, ce qui veut dire que Jésus dit bien que sa présence, c'est le royaume de Dieu. Nul ne va au Père sans passer par moi, nous dit Jésus. Voilà. Rappelons-nous cette phrase qui revient régulièrement dans l'Évangile pour accueillir Jésus qui est là avec nous jusqu'à la fin des temps. Merci Jésus. Donc Jésus est bien là. Et Jésus fait même une allusion d'humilité, puisqu'il y avait dans ces grands prêtres, il y avait des gens qui faisaient eux aussi, qui exorcisaient. Et au verset 19, Jésus dit, et si c'est Belzéboul, donc le prince des démons, qui m'aide à faire sortir les démons, qui donc aide les gens de chez vous quand ils les font sortir? Jésus a même l'humilité de reconnaître qu'il y a chez eux, dans ces grands prêtres et compagnie, il y a des gens qui ont cette capacité à exorciser. Et Jésus dit, eux sont eux qui jugeront vos paroles. Une façon de dire, les spécialistes de l'exorcisme, qui chassent les démons, eh bien, jugeront vos paroles. Évidemment que les véritables exorcistes d'entre eux savaient et reconnaîtraient immédiatement que Jésus le fait bien par la puissance de Dieu. Alléluia, merci Jésus, c'est magnifique. Et là, Jésus conclut au verset 23, « Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Il annonce la couleur. Merci Jésus, tu annonces la couleur. Pensons-y, il y a énormément de divisions sur les réseaux sociaux, notamment sur la foi, mais elles ne sont pas le fait de catholiques. Nous sommes attaqués régulièrement sur la vérité dans l'Église catholique, seule Église créée par Jésus. Donc ne cédons pas à ces disputes stériles, car Jésus nous donne ce verset qu'il nous faut absolument retenir, « Qui n'est pas avec moi et contre moi, qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Donc il faut absolument rassembler avec Jésus. On ne peut le faire qu'avec toi, Jésus. Car, je viens de le dire, nul ne va au Père sans passer par toi, tu nous dis, Jésus, et tu nous dis aussi, vous n'avez qu'un seul guide, c'est le Christ. Donc, rassemblons avec toi, bien-aimé Jésus. Merci, Jésus. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, en ces temps difficiles, ne mettons pas les choses pas terribles qui se passent à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Restons à l'intérieur avec Jésus qui est dans notre cœur, notre plus grand trésor. Amen. À très vite.